Est-ce que le retour du loup en Bretagne est une bonne nouvelle ? Ben quoi ? Depuis son retour dans la région, le loup a fait des dégâts dans plusieurs troupeaux. Les services de l'État ont d'ailleurs confirmé qu'il était responsable de la mort d'une douzaine de brebis dans les monts d'Arrée durant le mois d'octobre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le loup, en plus d'être une espèce protégée, c'est un élément essentiel de l'écosystème, et si on l'enlève, ça crée des problèmes. Par exemple, sans lui, les populations de cerfs, de chevreuils ou de sangliers peuvent exploser et être à l'origine de gros dégâts sur les forêts, les sous-bois et les espèces qui y vivent. Alors que quand le loup arrive, il instaure pour ses proies ce qu'on appelle un paysage de la peur. Elles vont adapter leur comportement pour éviter de se faire croquer. Je vais vous manger. Ce qui engendre des effets positifs en cascade et permet de mieux réguler le milieu naturel. Et en Italie, ils l'ont bien compris. Là-bas, le loup n'a jamais disparu et l'homme a dû s'accommoder de sa présence malgré les problèmes qu'il peut engendrer.